ce soir, c'est d'un événement majeur dont il s'agit. Ah oui, t'as raison, oui. C'est incontestablement une faute majeure qu'on entend un peu partout. C'est d'un événement majeur dont il s'agit. Y a rien qui te choque, là ? C'est d'un événement majeur dont il s'agit. D'un don. Non, pas d'un don. D'un don. Non, toujours pas ? Bon, je t'explique. Don représente des personnes ou des choses et s'utilise à la place de qui, duquel ou desquels à laquelle, etc. Tu dirais pas... C'est à une autre influence à laquelle on pense. Ouais, bon, d'accord, tu le dis. Mais tu devrais dire, c'est à une autre influence qu'on pense. Ou c'est une autre influence à laquelle on pense. Et avec don, c'est pareil. Quand tu dis... C'est d'un ancien président dont il est question avec vous ce matin. Eh ben, ça fait double emploi. Faudrait plutôt dire, c'est d'un ancien président qu'il est question. Ou c'est un ancien président dont il est question. Et il n'y a pas qu'avec don qu'on retrouve ce double emploi. De cette catastrophe, la mairie en a tiré des leçons. Ben non, le « de » et le « en », ça va pas ensemble. Dis plutôt, de cette catastrophe, la mairie a tiré les leçons. Ou si tu préfères, cette catastrophe, la mairie en a tiré des leçons. Mais pas les deux à la fois. Dedans, ils y trouvèrent tout ce dont ils avaient besoin. Ah ben oui, c'est pareil avec le « y ». Dedans et « i », eh ben c'est la même chose. Pas la peine de le dire deux fois. Un espace protégé, où on y vient à pas de loup. Pour... Ah oui, avec « où », c'est pareil. L'endroit où on y vient, c'est carrément redondant, n'ayons pas peur de le dire. Un des cas particuliers sont par exemple les trous noirs, où la gravité y est si forte. Et non, les trous noirs où la gravité est si forte. Voilà, c'est subtil, je dis pas le contraire. T'en fais ce que tu veux, hein, mais au moins je t'aurais donné ma langue, dont à laquelle t'en as peut-être rien à faire, hein. D'accord. Rock and roll music anyway.